Salut! Alors aujourd'hui, on va affûter la chaîne de tronçonneuse. Alors déjà, il faut commencer par se procurer un petit guide qui permet d'avoir l'angle à 30 degrés. Et on commence par repérer où sont les doubles lames pour commencer après. Et s'il n'y a pas de double lame, il faut mettre un coup de craie. Alors les doubles sont ici, donc je commence sur celui d'après. Hop, on met bien l'angle et on pousse en avant, toujours dans le même sens. Là, c'est une lime un peu petite, donc on peut y aller. D'ailleurs, l'étau aussi est trop petit. Et voilà, on est revenu au double, donc on passe de l'autre côté. Donc juste après, c'est celui-ci. Là, j'ai pris un porte-lime Oregon Murica, mais il y en a chez d'autres marques aussi. Toujours garder le bon angle, toujours aller en avant. Au début, c'est pas si facile que ça, mais après, ça finit par y aller bien. Et voilà, c'est bon. Ensuite, faut limer la profondeur des guides. En mettant juste son truc entre les deux lames. Voilà. Juste ça. Et voilà, on peut aussi le faire sans le guide. Dans ces cas-là, il faut donner exactement le même nombre de coups sur chacun, la même profondeur. Alors, ça permet de faire de plus en plus de gros copeaux, plus c'est bas, mais faut pas y aller vraiment trop, à ce point-là trop bas, parce que sinon la tronçonneuse est vraiment trop agressive. Évidemment, il n'y a pas besoin d'acheter de lime électrique, une grosse machine. Il suffit d'avoir son petit kit de lime portable. Ça marche très très bien. Tout comme il n'y a pas besoin d'acheter un mélange d'essence déjà fait. Il suffit de mettre une petite goutte d'huile moteur avec les sans plomb 98. Et ça se passe très bien.
Magnifique temps pour recouper les petits bouts de brouillard de gueule. Et bien sûr, n'oublie pas son pantalon anti-coupure. Sinon, ça fait comme dans le film Massacre à la tronçonneuse. Le gars, il avait pas mis son pantalon anti-coupure, donc il s'est coupé la jambe. Ça coupe bien. Parfois, c'est aussi bien d'utiliser la bonne vieille scie. Ah, conclusion, avec une bonne tronçonneuse, avec une chaîne bien affûtée, ça coupe vraiment bien, on fait du bon boulot. Et ça coûte pas plus cher.